Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Manor Lord. Donc, une vidéo que j'attends depuis très longtemps, très longtemps pour la faire, 4 ans exactement. Malheureusement, j'avais demandé une clé pour avoir accès à l'Early Access avant tout le monde, mais les développeurs m'ont répondu qu'ils avaient déjà donné assez de clés, donc malheureusement, enfin le développeur, pardon. Donc comme vous pouvez le voir, on va se lancer une petite partie sur Manor Lord. Ça va être une grande série, très grande série, qui va débuter dès maintenant. Donc on va tout de suite faire son petit perso. Donc c'est pas tuto ou quoi, hein. Là c'est vraiment une partie pour le kiff que moi je souhaite vous partager. Autrement, voilà, c'est pas du tout... Tac. Hop. Ce n'est pas du tout... un tuto ou autre chose. On soit bien d'accord. Hop. Je vais garder ça. Et je vais le mettre en jaune. Voilà. Tac. Hop. Nouvelle partie. Donc on va mettre le baron. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura pas mal de petites modes qui changeront après. Mais alors, à savoir que, comme d'habitude, j'ai regardé des vidéos... Hein, j'ai fait comme pas mal de monde pendant ces semaines pour me faire patienter. Et j'ai aussi lancé ma première partie pour essayer. Parce que voilà, comme je vous le dis toujours, j'essaye à chaque fois avant même de faire quoi que ce soit. Donc le but c'est qu'on fasse un truc assez organique. Donc là vous voyez, je suis un petit rond-point, les trucs dans le genre. Là j'ai mis assez loin parce que je vais construire mes maisons là et essayer même pourquoi pas faire mon église. Après quand on regarde un peu la zone, on voit que je suis dans une zone. Bah en vrai, bah regardez, on va faire un truc tout con. Dans la partie que j'ai commencé en solo, donc pas en vidéo, j'ai spawn ici. Voilà. Donc là, du coup, je spawn en haut, mais bon, en soi, ça me dérange pas plus que ça. Là, il y a les baies, donc il va falloir construire aussi un truc pour les baies. Merde, hop là. Voilà, compris. Hop, je crois que la chasse, c'est plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ça va être... Ah, on peut mettre des hôtels, ok. Donc malgré tout, j'ai essayé le jeu comme je vous l'ai dit, mais je suis quand même aussi un petit peu en découverte, attention. Tac. Hop, donc là normalement ils sont en train de construire le camp de bûcheron. Donc c'est un jeu que j'attends depuis tellement longtemps les amis, que c'est... je crois que ça fait 4 ans, 4 ans que j'attends le développement de ce jeu, si je ne m'abuse. Tac. Donc ça c'est fait pour replanter les arbres. Ça, c'est le bûcheron. Ça, c'est la cueillette de baies. Hein. Donc, c'est pour ça que là, faut vite que j'en fasse parce qu'on est au mois de mars. Et vous allez voir qu'on accélère. Parce qu'au début, on va accélérer. Ça va être très rapide. Ça va passer très, très rapidement. Il y a aussi celui-là. Que. Pourquoi ça? J'avais mis. Ok, il va falloir que je change 2-3 touches. Là, vous voyez, tac, celui-là, on va le mettre à peu près ici. C'est quoi que j'ai mis là? Une de broussailleur. C'est bon, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Donc là, tac, tac, tac.
Donc, comme je l'ai dit, je vais essayer de faire un peu des trucs assez organiques, assez carrés, assez propres. Donc là, on va lancer. Hop. J'ai combien de plans? On va mettre deux boucherons pour le moment. Voilà, c'est juste pour lancer un peu la petite prod. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pour le bois de chauffe. Du coup, après, je fais ça et là, je vais m'attaquer à faire un puits qui, pour moi, si je peux essayer de le placer par là, là. Hop. Tac. Par la même occasion, je vais essayer d'aller dans les commandes. Est-ce qu'il n'y a pas une douche? Une douche? Une douche, pardon. On va appuyer sur D. Caméra droite maintenant. Okay. C'est bizarre. Ah non, c'est Q, pardon. Retirer hop, ça, on va le décaler. Exclamation. Il n'y a pas un autre. Hop, voilà. Ça sera déjà mieux. Donc là, du coup, on va accélérer un peu. Parce que c'est un jeu qui demande aussi énormément de temps pour se lancer dans le game, on va dire. Donc là, votre renommée vous précède, je cherche à défendre mes droits et mon honneur, contre quiconque qui me voudrait du tort. J'espère que vous me jugez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui veulent salir mon nom. Il est frappé de mon sceau. Ça, donc, en gros, c'est le mec contre qui on va avoir des petits problèmes. Donc là, je lui ai dit qu'il avait aucun droit sur ces terres. Donc, d'ailleurs, je la trouve assez petite là-bas. J'espère qu'ils vont changer tout ça. Parce que, sans vous mentir, je pense que, comme ils ont dit, il y aura peut-être du multi. Et pour moi, s'il y a du multi, c'est très important. Tac, on va mettre le grenier. Hop. Ils ont construit quoi là? Ah, c'est celle-là qu'ils ont construit, ok. Donc là, on va remettre. On va remettre parce que vous voyez que ça. Ça charbonne. D'ailleurs, on va retirer une famille là parce qu'ils ont commencé à. A bien augmenté du camp de chasseurs. Là, on va en mettre un et on va laisser que 8 gibiers. Ils sont ici, donc en vrai, il y a de quoi faire. Maintenant, ce qui serait vraiment ultra bien, c'est très haute, c'est celle-là. Et après, on va commencer nos petites maisons. Parce que le puits, il est fait. Tac, et du coup, moi, je vois les choses assez grandes, je vais pas vous mentir. On va mettre ça comme ça. Pas trop grand apparemment, parce qu'autrement, le jeu me pisse dessus. Oh, il veut pas là. Pourquoi? Ah, ça demande trop de bois. Ah, là. Et là, là, je fais v'là le champ, là. Maison. Ah, j'ai vendu. Et même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin. Là. Hop. Et du coup, est-ce que... Ça, on peut le démolir. Parfait. Voilà, parfait. Comme ça, en vrai,
Là, on peut remettre un petit carré, un petit quartier. Je mettrai l'église en hauteur par là. Tac. Donc, j'ai pas été très loin dans mon autre partie. J'ai juste avancé. Tac, on va mettre un cueilleur, ça suffira largement. Un mec qui s'occupe du grenier. Et là, du coup, ça y est, on va être dans la sauce. On a plus de constructeurs. Bon, vas-y, toi, en vrai, le temps. On va continuer à construire. Faut demander des marchés, ok. C'est vrai que les marchés, ça avait aidé. Tac. Là, en fait, faut que j'arrive à monter au-dessus des 45%. Donc là, principal. Ah, mais voilà. On en vient au fait, en fait, que on a plus de. Tu sais quoi? Toi, tu vas aller ici. Pourquoi? Parce que lui, en fait, c'est blindé là. Donc, il faut absolument. En fait, absolument que la viande soit stockée, que ce soit même là-dedans, là. Là. Voilà, les maisons se construisent une par une. Et du coup, on va mettre un champ ici, là. Parce qu'on pourra mettre, construire deux trucs. Et là, vu que c'est assez grand, ça va être big. Voilà, bah, du coup, on peut là. Je vais mettre des carottes. Pourquoi? Parce que c'est grand, donc direct, on va avoir une autre variété de bouffe. Donc forcément, ça va faire augmenter le truc. Une famille a rejoint, c'est par. Elle n'a pas encore rejoint une maison, mais elle a rejoint le village. Donc ça, normalement, c'est blindax. En tout cas, presque blindé. Là, il y a déjà une famille. Parfait, ok. Good, 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 good. Donc là, c'est parfait, ça construit. Donc, j'ai construit un grenier où je construis un entrepôt. Notre entrepôt. Tac. Je vais le mettre, je crois, par là. Tac. Comme ça peut venir directement par là et repartir par là. C'est parfait. Alors là, après, je me dis, est-ce que par exemple, là, nouvelle missive. Ok. C'est de la puissance militaire. Moi, je vous dis, je connais certaines choses. Ce n'est point une blague. Là, il m'en faudrait 16. Il m'en faudrait 16. On n'est pas prêt de les avoir. Est-ce que j'ai remis un bûcheron? Je mets pas de bûcheron, c'est sûr qu'on sera pas prêt de les avoir. Je pense que l'église va être faite à ce niveau-là. Voilà. D'abord, il nous faudra les planches. Planches que pour le moment, je peux pas prendre. Et après, la foi, c'est ultra important. Donc, peut-être que je retirerai un bûcheron pour faire des planches. En fait, j'ai envie de mettre le bois à peu près au même endroit. Ouais, comme ça évitera que il fasse des tours de zinzin. Voilà, je fais en sorte que ça ressemble un peu à. Ça soit pas carré, on va dire. Pas comme les maisons encore ça me dérange pas. Parce que je vais faire un grand centre-ville là. Normalement même.
Dans peu de temps, il n'y aura plus ça dès que j'aurai mis le stockage d'ailleurs. On l'a mis ou on l'a pas mis? Le stockage de ressources. L'entrepôt. Si, je l'ai mis. Là. Je crois qu'il n'y a personne. Et ouais. D'abord, on va attendre que le bois vienne à nous. J'attends d'en avoir une vingtaine. Comme ça, j'enlèverai le mec ici pour le mettre ici. Et à savoir qu'il faut gérer aussi les animaux. Donc là, vous voyez, il y en a 20, 18. Ça va descendre jusqu'à 8 maximum. Même les baies, en vrai, l'hiver, ce qui est bien, c'est que je pourrais retirer tout mon OB, les retirer. Et les mettre ailleurs. Là, on se doute pas, mais l'hiver va très très vite arriver. Hein. On est déjà en juillet. Vous allez voir que ça va vite 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 arriver. Donc ces vidéos vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, les plus longues dureront 2 heures. Mais pour là, pour rien pour la première, pour se lancer dans le bain, je pense qu'on va se lancer avec une petite vidéo d'une heure, 1 heure 10, un truc dans le genre. Et pour vous montrer un peu l'avancement du village. Je pense pas avancer en off. Alors 2 secondes, parce que là, c'est notre point de compétence. Je vais prendre ça, après j'irai là. Le problème c'est que je sais pas comment on fait. D'accord. En fait tu gagnes un point dès que tu montes les maisons. Ok. Bah déjà ça fait déjà un truc en plus que je sais. Parce que je n'en savais point avant. J'aimerais vraiment par contre récupérer un pélo là. Parce que là, par exemple, je sais qu'il va me falloir 20, 16 de bois. Je veux au moins, genre, avoir 17, 18. Là, je trouve ça nul, par contre. Ça serait bien qu'ils viennent et qu'on se batte, ou un truc dans ce genre. Je peux avoir un 20 soldats, là. Ok. J'ai combien de bois? 18. Allez. Et là, vu qu'en plus si ça commence à bien se dégarnir, je vais attendre lui, je vais le laisser, il va replanter. 9. Allez, hop, voilà, c'est bien. 19, ça devrait suffire quand même. Parce que de toute façon, il me faut du bois pour rien, pour faire les planches. Et il me faut 20 planches. Ce serait bien qu'on accueille une autre famille là, rapidement. Donc là, ciré est construit. Bandits ont été repérés. Hop. Tout de suite là-dedans. Les baies ont commencé à être vraiment chaud. En vrai, vu que là, il reste plus qu'une baie. Est-ce que. Vas-y. Faut qu'on optimise le peu de péons qu'on a là. Là, je vais le mettre là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plein de merde là qui traîne. Donc là, par exemple, ça, je sais que je pourrais, dès qu'il aura pris les provisions, je pourrais les enlever. Et faire une espèce de rond-point assez propre, assez quali. Ouais, parce que même au Moyen-Âge, les Français pensent déjà au pont, au point, au point. Il se dépêche, l'off. Ah, d'accord. Tu vas à pied? Ah ouais, bah tu vas galérer, ma ref. Ah, quoi que, non, 2 tours. Ça s'est remis en mode normal en plus. Nouvelle compagnie mercenaire, là on est toujours à une baie, ouais, bah ouais, forcément. Là on va attendre que les arbres repoussent un peu. Là je suis content parce qu'en vrai, je vais faire mon manoir dans cette zone là. On verra. Le but, de toute façon, c'est que je vais utiliser toute cette zone-là pour faire des maisons. Même celle-là, là, d'ailleurs. Mais au moins, voilà. Ça fera zir. Bois de chauffage, normalement, ça monte.
On est en septembre, l'hiver commence dans très peu de temps. J'ai 10 planches et là l'église c'est 20 je crois. Ouais. Encore. Un petit peu. Encore un petit peu et du coup on enlèvera celui-là là pour remettre au bois. Forcément. En fait, ce qui est bien, c'est que là, vu que l'entrepôt est prêt, ils vont directement déposer, en fait. Voilà. Donc là, on en a 20. Hop, on va les laisser déposer leur truc. Hop, hop. Et hop, on remet au bois. Direct. On a besoin de bois. Là, on va mettre pause rapidos. Le temps de faire les nouvelles baraques. Tac. Là, mais ouais. Oui. Ouais. J'ai zéro de bois donc. Je suis baisé. Il m'en faut minimum 5 pour commencer. Et l'église. Là, en vrai, je sais pas si la personne, je peux l'enlever. Hop. Et toi? Ah bah je l'avais déjà enlevé, d'accord. En vrai, je crois que les personnes qui veulent rien, donc bon, dont ça par exemple. Oh, nice! Je savais même pas qu'on pouvait upgrade. Ah, et du coup là, ils ont un truc. Ok. Bah, mais là, je l'upgrade, j'ai pas un pélo dans le village. Je savais pas qu'on pouvait upgrade en fait dès le départ. Ok, là par exemple. Non, c'est dommage. Ok. Au moins là il y a un truc. Maintenant je sais qu'on peut faire des. Donc c'était ça en fait les maladies. Genre si on veut soigner les maladies. Je pense que ça venait de là. Hein. On peut upgrade le truc de cultivation là pour en faire entre guillemets du médical quoi. On va pas parler chinois. Hein. J'ai combien de bois? Zéro? Mais wesh. J'ai 20 planches. Et là il y en a combien? Ah mais s'il y a personne dans le dépôt. Ouais, c'est ça. Hein. S'il y a personne en fait c'est. C'est baisé quoi. C'est baisé, c'est baisé. Il reste combien de. Il en reste 13. On va faire. Ça va être tout simple. On va enlever celui-là, comme ça au moins. Le bois, voilà, il va revenir petit à petit. Faut vraiment que je passe en fait au-dessus de la barre des 50% pour vraiment avoir des familles qui rentrent à masse en grande quantité. Que c'est très très long, enfin de toute façon c'est comme tous les jeux, mais au départ c'est très très long, et même de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, ça devient tout aussi long. Après, là, je mets un mec là parce que j'ai plus de bois de chauffage, je vais plus avoir de bois de chauffage pour l'hiver. Et d'ailleurs, j'ai failli avoir un game over dans ma partie. Pour ça d'ailleurs. Mais là, vraiment, je manque de. Étal de bûche, ok, j'ai eu peur. La bouffe, ça va en vrai. Ok, nice. Ok, c'est bon. Allez, les bandits. Ils font plaisir, les rafles, hein. On va laisser une petite zone là pour qu'ils puissent avoir accès à la route. Et là, il va y avoir un petit marché. Et j'ai même envie de te dire que je vais faire venir ça là.
Comme ça, en fait, là, ce sera trois trucs. Il y aura que des marchés. Que des étals de marché. Là, par exemple. Ah, en fait, j'ai payé. Attends, si. Non. Tu déconnes. Normalement, tu. Ah, c'est parce que c'est ultra. Il est. C'est une grosse baraque, c'est pour ça que j'ai payé plus cher, ok. Ok, dommage, coup dur. Pas assez de provisions. Si là, ça commence à. Commence à charbonner le reflet. N'empêche, le bûcheron et. Il t'avale une forêt en d'autres temps de mouvement, en vrai. On est passé au-dessus de la barre des 50%. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est bon. Là, ça veut dire que dès qu'il y aura le debuff qui sera parti là, présence de 100 logis, on sera vraiment ultra bien pour la suite. Donc, l'objectif. C'est déjà de remettre en full Axel. Et là, on n'a plus qu'à attendre vraiment beaucoup de péons. Après, le problème, c'est que je peux commencer à construire des trucs du style ça là pour le cuir. Ah non, il y a un truc que je voulais construire absolument. C'est le comptoir commercial. Donc à savoir, est-ce que je le mets. Je vais le mettre là. Pourquoi je le mets là? Il a vraiment deux routes l'une à côté de l'autre en fait, c'est ça le truc. Nice, une famille à rejoindre. Du coup, attends, l'entrepôt, on s'en bat les couilles. Fait, j'aimerais bien avoir une famille dans chaque truc, mais. Trop chaud. Il reste 9, donc il peut encore tirer une. Bois de chauffage, j'en ai pour 7 mois et 18 mois de nourriture. Sais même pas s'ils ont eu assez. Ce serait bien qu'ils lancent la construction de la. L'église. C'est pour le bois de chauffage. Je pense. En fait, là, le premier épisode, on va s'établir. On va établir le village correctement. Avoir des bases solides pour revivre à notre premier hiver. Et le prochain épisode, je pense qu'on entamera les cultures. Bon, tout ce qui est ferme et champ. Mais avant ça, on va devoir demander d'autres animaux, je crois. S'il me semble bien, tu peux le faire avec les buffles. La vie recommence à. Putain, il a bien. Hein. Non, vu que j'ai une autre famille en vrai, je vais pousser à replanter ça. Là, les planches pour le moment, en vrai, on s'en fout. J'en ai déjà 5 en plus. Donc en vrai, ça, c'est pas le problème. Lui, on va devoir le bouger après. Et bien, c'est qu'il. On va dire, il est lag un peu les plantes ici, donc. On mettra certainement là après dans le futur. Je crois que c'est l'un des seuls bâtiments qui peut être déplacé. Ouais, c'est ça. Stockage. Ah, mais vu qu'il n'y a personne qui. Ça le fait chier. Ok, il commence à construire l'église.
Après, faudra que je pense à mettre quelqu'un ici quand même parce que je tiens à rappeler qu'on l'avait amélioré. Donc, rien que l'amélioration de base, elle est censée nous rapporter quelque chose. Et après, faire le comptoir pour exporter les ressources qu'on a en trop. Je pense au cuir, les trucs dans le genre là, qu'on pourra amasser certaines baies, qu'on pourra aussi vendre. Parce qu'on va commencer à avoir des champs. En fait, même avec la thune, en fait, je compte faire des champs, des trucs, des chèvres, des poulaillers un peu partout. On est une variété de nourriture assez élevée. Et ça, c'est propre, l'église vient d'être faite. Ok. C'est good. C'est good pour l'église. En gros, là, on est en train de construire, construire. Ce qui nous manque, quoi, en gros, c'est des villageois, quoi. Nice, une nouvelle famille. Youpi, youpi, youpi. Donc, soit je la mets. J'ai deux emplacements du. Libre ici. Plus là qui est libre, mais sauf que vu qu'on est en hiver en vrai. Ouais, on va bientôt passer en. Désolé pour le petit truc sim. On va bientôt passer en. Au printemps. Donc en vrai, je vais la mettre ici. Donc en vrai. Après, en vrai. Ou alors je mets là. Fuck. Merci. Faut qu'on vende un truc. Faut qu'on vende des trucs. Ça va trop cher. Après, il y a l'herbe qu'on va commencer à faire. Les bûches. Problème des bûches, c'est qu'on va aussi en avoir besoin. Je pense que, premier abord. J'ai pas droit à l'erreur. Hein. En vrai, je vais prendre bûche. Enfin, je vais vers les planches. Établir une route commerciale. Donc, lui, normalement. Il va venir chercher, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va hop, mettre ça là. Lui, on va l'enlever. Il nous faut absolument qu'il soit là, voilà. Tout simplement parce que vu qu'il va transférer les planches qu'on aura en trop. Et le truc qui me perturbe, c'est que normalement, je suis censé pouvoir mettre surplus souhaité verrouillé, car la règle choisie est pas de commerce. Exportation, voilà. J'en ai 5, je vais en exporter une vingtaine. En gros, c'est assez rapide, donc ça va en soi. Je sais pas où est le ref là. Commerce, fais voir. Ah, il arrive par au-dessus. Il va me l'acheter que deux par deux. Aïe! La viande et les baies. Même les œufs, j'en train de voir les œufs. C'est vendable, mais je sais pas si on en a beaucoup d'un coup. De toute façon, la priorité, c'est d'abord se faire de la thune et même à la limite, je vendrai. La peau. Mais la peau, elle vaut aussi cher que. Toute requise. Ah ouais, non, on vend plus cher ça que ça. Bah, j'achèterai de la. Pour le cuir. Mais là, il nous faut absolument une famille qui nous rejoint. Assez rapidement. Ah non, ici, je fais un grand détour. Hop, ça. Très fuite fuite, mais tant mieux pour nous. D'ailleurs, on va renommer notre petite ville tranquillement, ma ville natale. Ça fait plaisir. Tac, ouais, normalement c'est ça. Il faut que je charbonne le ref. On va avoir absolument besoin.
Là. Ouais, c'est normal. Et ça, dommage qu'on n'a pas de. Comme Bundy a été repéré. Ça veut tout dire. Dans très peu de temps, on va avoir les bandits qui arrivent. Donc là, du coup, ça commence à fondre. Ils ont encore volé des ressources. Nouvelle missive. Suivez leur piste. Et voilà. 365 jours. Dans un an, ils attaquent. C'est que là, le truc, je vais devoir retirer encore un mec quelque part, en fait. Vais retirer le chasseur. Pour le mettre ici. Pourquoi? Parce que même si ça s'est pas encore remonté, il y a les herbes là qui vont commencer à pousser. Et du coup, avec ces herbes, je pourrais les exporter. Est-ce qu'il est venu lui? Est même pas venu. Hein. Attends, mais je rêve où, en fait, le comptoir, il est mal placé. Ou alors, peut-être qu'il passe par un autre chemin, mais ça me ferait bien chier. Hein. On est à 3 pièces. Allez, regarde, on est déjà à 24, 24 planches. J'avais raison en disant que normalement, on devrait avoir assez de planches à la revente. J'étais dans le juste. J'étais dans le juste. Maintenant, le problème de ça, c'est que je sais pas s'il va revenir. De quel côté il va revenir cet enfoiré? Nouvelle famille au village. C'est parfait. Du coup, ça vaut. Mis en ralenti. Nice. Ah non, c'est encore la même famille, ok. Ce qu'on va commencer à faire, c'est peut-être faire d'autres baraques. On va accueillir 14 familles. Et j'en ai que 9. Donc en vrai, ça va. Alors, besoin de travail vide. Et 40B, je comprends pas pourquoi c'est vide. Bon, faut vraiment que je trouve. Ah, j'ai réussi, ça y est. J'ai réussi à vendre. On était à 3 pièces, il me semble. Donc, ça veut dire que j'en ai vendu pour 10 pièces. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir. Je suis pas sûr d'avoir vendu en fait. Le cuir c'est 72 hein. En fait le cuir ce qui est bien c'est que ça sera une ressource quand même assez une ressource qu'on aura assez souvent. Je sais pas s'il va réussir à. L'autre souverain a été repéré. Ah, elle passe en dessous. Oh, elle a été repérée rapidement là. Encore? Ah, d'accord. En fait, il les repère que quand il quitte le royaume, ok. Pas mal. Là, on a une carrière de pierre. Est-ce que ça serait pas worth d'essayer de se faire de la pierre? Mais avant ça, en fait, j'aimerais bien me faire du cuir. Là, on peut faire de la toile, mais moi, c'est le cuir qui m'intéresserait. Comme on dit dans le jargon, cuir-moustache, cuir-cuir, cuir-moustache. En fait, je pense que tout ce qui va être industrie, tout ça va être de ce côté-là, vers le bas.
Après là, on pourrait bientôt mettre une maison. Je devrais remettre, je pense, un puits là. Donc en vrai, je vais mettre ça de ce côté. J'essaie de faire au mieux parce que c'est pas très très simple. Tant qu'on n'a pas de famille en fait qui rentre. Mais je sais pas de quoi il parle, si c'est ça ou pas là. Je l'ai amélioré, mais j'ai peur que ça me fasse plutôt de la merde qu'autre chose. En plus, je commence à vraiment être bien. Il arrive quand le ref pour le commerce là? Ah, plus 2, regarde, ça vient de vendre là. C'est combien le commerce de la pierre? Ah, je pourrais l'acheter. Exportation. Ah mais c'est un lapier, c'est un gros en exportation. Ça vaut que dalle, hein. C'est un et je paye 12, hein. Et la pierre, c'est pas un truc que t'as illimité. Moi, je pense que je vais rester sur... À l'exportation. Même le cuir, en fait, là, les échanges principaux, ils veulent pas me donner en fait le truc tant que je l'ai pas acheté en fait. Putain, les enculés. C'est 72 balles, hein. Non, c'est qu'il y a déjà. On s'est déjà attaqué là? Attends. Je peux en avoir 18 là? Ils ont attaqué quoi? Ils sont... Ou alors ils fuient? Les gars. Pas fuite fuite les refs. Oubliez, oubliez. Halt. Dissoudre les unités. Retourne au travail. J'ai eu peur. Non mais non, mais encore. Ça. Pas chez moi. Ah mais en fait, ils se sont fait violer ici, les brigands, ils se battent en retraite là, ok. Ok, je vois. Bah du coup, ça nous a fait ralentir un peu. Parce qu'en vrai, le commerce, ça commence à avancer. Ça, tannerie. On va l'élever. Rapidement, parce que je crois qu'on a pas mal de stock de... De cuir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de cuir en fait. J'ai pas... C'est pas... C'est pas qu'une impression, c'est une réalité en fait. Parce que c'est vendu là quand même. Ok.
D'accord. Je comprends pas des masses. J'espère pas investir dans le cuir alors qu'on va se faire. Ah mais après peut-être vu qu'on s'est fait. On s'est fait voler, non? On s'est fait voler 13. Mais genre il y a un petit moment quand même. Mais du coup on a plus de. De chasseurs, c'est pour ça que ça remonte pas des masses. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire ça. On va remettre un. Même s'il n'y a plus personne qui construit, c'est pas grave. Et on va attendre la prochaine famille en fait qui vienne. Qui vienne pour faire ça. Et je sais, je sais. Je sais qu'il faut de la famille. Faire ça. Le problème, vraiment, là, c'est qu'on. Je suis dans la sauce au niveau thune. Ah, je sais, putain. Mettre des coups de pression comme ça, là. Le problème, c'est que si j'enlève lui, je pourrais plus vendre les planches. Si je vends plus les planches, c'est pas baiser pour moi. Ils sont combien là-dedans? Vas-y, deux. Je suis obligé de d'enlever. Il y a un gisement de fer, mais c'est pas la priorité. Hein. Que ça veut dire faut mettre des forges. Enfin, faut mettre des bas-fourneaux qui permettent de transformer le fer en lingot de fer. Et après transformer le lingot en outil. Il y a tellement de choses, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai demandé d'accélérer pour avancer un peu. Parce que. Un jeu qui est très cool. Qui est très cool en soi. Hein, la personne qui vous dira le contraire, c'est un menteur. Mais le problème, c'est qu'il faut. Bah, faut avancer quoi. Nice! Une nouvelle famille. Ça fait plaisir. Ce qu'on va faire en parallèle. On s'approche. Doucement mais sûrement. De la fin de l'épisode. Ah ça c'est l'autre qui revendique ce territoire. Bah vu l'armée avec laquelle il est passé, on va éviter d'y aller. Tac. Normalement là il y a une famille qui va construire du coup. Détermination. Total de vêtements. Nice! Ok, mais c'est ce qui manquait en fait pour passer ces maisons au niveau supérieur. Étal vêtements. Là, ça veut dire. J'ai augmenté l'espace de vie, je sais pas. Ça a quoi? Ah, et là, je peux rajouter de la bouffe en fait. J'avais complètement zappé. Mais après, en vrai. Est-ce que. Ok, je dois d'abord faire le développement de ça pour pouvoir. Parce que ça serait intéressant de les débloquer très rapidement là. Les deux là. Pour tout ce qui est armure. Et du coup, arc. Attends, mais genre, le marché là pour vous, il est trop loin? Ça va être la merde. Ça va être une merde là. Hein. Oh, sa mère. J'ai pas. J'aurais peut-être dû vous prendre en compte qu'en fait ça venait pas jusque-là.
Mais pour moi, genre, c'est à 100 mètres, quoi, je comprends pas. Ça vient jusque-là. Ça veut dire, elle sert à rien, celle-là, là-haut. Qu'on soit honnête, tout de suite. Parce que là, elles prennent une de maison, trois. Ça vient jusque là, là aussi. Là aussi. Là aussi. Et en fait, il y a que là que ça prend pas, quoi. Et la foi, par contre, elle vient jusque là, ok. Ouais, donc en fait, il faut vraiment que je construise une des étals là, quoi. Donc ça veut dire qu'il me faudra tellement des étals encore là. Ou alors, avec de la chance, ça vient jusque là. Ah, ça me fout le seum, là. Je pensais qu'on était assez près. Mais le jeu, il m'a dit, frérot, pas du tout, en fait. Il y a là la route, là. Ah, mais ouais! C'est peut-être pour ça. Attends, avant de tirer la merde. Bah non. Joue pas. S'il y en a qui ont des idées à me donner par rapport à ça, je suis chaud de les prendre. Vraiment, ou même pour l'histoire de ça là, de la hutte de cueilleur, concernant les petits bacs d'herbe là. Parce qu'ils me disent du coup, les travailleurs ne trouvent rien à ramasser dans leur zone de travail. Pour le moment. Ok, donc ça veut dire en fait, c'est pas sûr qu'ils trouvent un truc ou qu'ils trouvent rien, quoi, en gros. Là, c'est quoi? Argile, ok. Ok, donc là ils sont en train de construire. Donc là on commence à avancer, on a deux armures encore disponibles. On a de la bouffe à foison. Pour l'instant je dirais qu'on est stable. Et on commence à... Oh, on s'est fait de la thune. Voilà, y a eu de la vente là. Est-ce que j'ai du tissu? Cuir, pardon. Zéro cuir. Attends, en vrai, je vais commander un cheval pour l'autre T2 Chib là. Et après, en vrai, en vrai, faudrait que j'essaie de. De faire tout simplement un autre un autre marché parce que le bois c'est bien mais ça rapporte pas des masses tu vois. Ah j'hésite hein. J'hésite parce que là je pourrais construire par exemple un poulailler ou un truc de merde là. Hein. Voilà, vous savez quoi? C'est l'investissement. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Tout simplement parce que je me dis qu'avec les nouvelles ressources qu'on aura, donc normalement, si je ne m'abuse, la chèvre, ça fournit de la peau. Donc du coup, avec cette peau, j'en aurai beaucoup plus que ce que je viens d'avoir. Et... Merde. Et les...
eux ils donnent des œufs les coqs. Donc ça veut dire en gros, j'aurai double ressource à vendre tout en vendant encore du bois ici. Et vu que c'est un truc passif, ça veut dire que je suis pas obligé de toujours avoir, par exemple, un chasseur là. Bon là, il est encore là d'ailleurs, ce con, même si l'utilité n'est pas de mise. Après, il n'y a personne dans le stockage. J'avais une famille en plus, donc tant mieux. Donc là, on a quasiment tout le monde, quelqu'un, tout le monde, à peu près partout. Tac. Donc là, on commence à être bien, pas assez de place en étable. Ça. Comment je fais? Pause. Pause. Il faut une étable, là? Sérieusement? Pâturage, bergerie. Let's go, people! Je sais pas si c'est ça. Je pense pas, mais de toute façon, on va en avoir besoin. Du coup, comment ça, il faut une étable? Bétail. Avancer. Si j'ai bien compris, ça en gros. Il va en falloir un autre, voilà. Tac. Priorité ultra élevée. Et si j'ai bien compris, en gros, lui il va prendre la place du coup de là-bas. Ça va, on commence à vraiment avoir un beau truc là, les gars. Vous savez pas à quel point je suis heureux de jouer à ce jeu. Vraiment, en termes de bien à fond là, c'est. Juste ouf. Il est tellement complet, il y a tellement de choses à faire que c'est. Gérer, faut que tu gères ton économie, faut que tu ailles chercher l'argent ailleurs. C'est juste dingue. C'est juste dingue, 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 dingue. Ça fait longtemps que je l'attends. Et j'en suis très, très, très satisfait. Bon, après, le prix à revoir, les gars, quand même. 40 balles, je suis pas super fan, hein, mais bon. Après, je peux comprendre qu'il y a eu pas mal de travaux de fait. Et je peux comprendre aussi qu'il faut rembourser tout ce qui a été investi, parce qu'apparemment, le mec, la personne qui a développé ce jeu est solo, elle a payé des personnes à part, des historiens, des musiciens. Enfin, là, il a vraiment charbonné, donc en vrai, les 40 balles, je dis que c'est cher, mais je m'excuse parce que. C'est pas si cher payé en fait, si on va dans ce sens-là. Le mec, il a tellement charbonné que dire que c'est mal payé, enfin c'est trop cher, je pourrais pas. Je suis pas d'accord. Ah putain, tu vois, c'était la route. Puis là, il n'y a qu'une seule étale. Putain, ben ouais. Enel, fais mieux tes routes, sérieux. Tu veux pas couper l'arbre en plein milieu de la route, les refs, là? Tac, donc normalement. Ils sont en train de s'occuper de là. Ok. Ils ont l'air de galérer un peu. On va accélérer un petit peu. On va arriver déjà en mai, hein. Never.
Perhaps he simply does not know. You'll not find finer wares anywhere else. Ouais. En parallèle, on continue à gagner de l'argent là, ça me fait plaisir. Par contre, je sais pas pourquoi il y a des bûches ici. Je capte pas trop le bail. Et là, du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Là, par exemple, lui, hop, pour 10 pièces. Parfait. Et là, vous voyez, en vrai, pour 10 pièces, est-ce que... Je m'en fous, j'investis. Vraiment, j'investis à mort dans les baraquements comme ça. Pour la simple et bonne raison, vraiment, que c'est ce qui... En fait, le cuir va nous rapporter énormément de thunes après. À la tannerie, là, je mettrai deux personnes. Et puis, là, j'ai peur qu'il s'éloigne un peu. Il va couper toute la... Le but, il n'y a qu'un seul bûcheron. Il est en train de te charbonnax tout le truc. D'accord ? Ok, voilà. Petit étal. Hop, et du coup, normalement, une nouvelle famille s'est installée, mais que du bonheur. Non, on va en mettre qu'une. Attends, du coup, je suis en train de me dire, là. Pour bétail. Ouais, mais c'est. Je capte pas là. Attends. C'est-à-dire, si j'enlève une famille là, il va prendre directement un buffle là. Je suis pas sûr que j'aurais dû prendre un cheval en fait. Je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai fait. Du coup, tac. On a pas mal avancé. Nos maisons commencent à bien être construites. Je peux déjà améliorer. Et bah vous savez quoi, on va pas le faire. On va attendre le prochain épisode, les amis. Tout simplement parce que c'est la fin du premier épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un petit like. Et pour ceux qui connaissent les puristes du jeu, vraiment, qui sont à fond dedans, qui sont à balle, bah, n'hésitez pas à me donner des conseils. Je suis grave chaud de les prendre. Parce que, bah, comme je vous ai dit, j'adore ce jeu. Je le surkiffe. Mais je ne connais pas tout. La preuve, on a vu que j'ai un peu galéré là pour les tables, les trucs dans le genre. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas. Moi, je vais juste voir un peu par rapport à la bergerie, les trucs dans le genre, là, les trucs dans le genre, pour voir un peu comment ça fonctionne. Et, parce que je crois même que... Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Je suis calmé. Donc voilà les amis, en tout cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Il y aura certainement un ou deux épisodes, soit on continue le même rythme, mais sauf qu'il y aura beaucoup moins de Star Citizen malheureusement. Il y a la course de rallye qui a été faite juste avant que je tourne cet épisode, qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Donc voilà, en soi, j'ai envie de vous dire, tac, c'est... On verra, peut-être qu'on fera ça plus tard. Bref, j'arrive plus à m'arrêter. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On like, on s'abonne, un petit commentaire. Et à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.